Non, c'est. Oui, je suis d'accord, meilleur Sonic 3D. Chose qui a plus à voir avec la qualité des Sonic 3D qu'avec autre chose, mais. Tandis qu'on me dit dans mon oreillette que nous avons un envoyé spécial qui nous a contacté, qui est probablement à des milliers de kilomètres. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que la régie peut ouais, nous mettre en contact avec l'envoyé spécial? Est-ce qu'on l'entend? Alright, incroyable, that's incredible. Est-ce que vous me recevez? Are you receiving me well? Aujourd'hui, c'est Clex pour vous présenter Interglitches, intérieur des glitches, Cogito Run. Je pense donc je run un marathon de speedrun caritatif. Nous sommes à l'intérieur dans l'Institut du cerveau. We are in the Brain Institute, là où le marathon peut exister. Nous sommes à l'accueil, là où les personnes voilà, vérifient les billets et vous donne votre bracelet ainsi que votre badge si vous faites partie du staff. Encore un grand merci aux bénévoles. A big thank you to the volunteers. All right, let's keep going. Nous avons en plus du bénévolat sur la billetterie, du bénévolat sur la cafétéria, the cafeteria, everybody is eating, there are people here, il y a des personnes ici qui mangent, c'est absolument fantastique. Ces personnes-là peuvent observer aussi le stream qui est au fond et c'est un grand moment de détente et de convivialité. It's a big moment of detente and conviviality. Nous allons rentrer à l'intérieur de l'accueil pour pouvoir découvrir davantage sur toutes ces personnes-là. Nous avions un atelier jeu de rôle qui a été le menu est très rempli. Nous avons du guacamole, des chroniques oubliées, mais surtout voilà, du Hades, du Hades, du Doom, de l'enfer et du Resident Evil, du résident méchant. Et évidemment, un menu enfant pour les plus jeunes, pour toutes les personnes qui veulent essayer le jeu de rôle. Voilà, cet atelier est fait pour vous. Nous découvrons davantage les ateliers speedrun, the speedrun workshops where people speedrun the games. Les gens font du speedrunning sur les jeux. C'est fantastique, cela permet de faire un pas en avant pour toutes les personnes qui sont intéressées par la pratique dans le jeu vidéo mais qui n'osent pas faire le pas. Voilà plusieurs speedrunners qui leur donnent la force et aussi les conseils pour avancer et évoluer sur leur propre jeu. En parallèle de cela, in parallel of this, on a l'atelier LOW dans lequel les gens organisent des perlers et des perleurs ainsi que des vitraux en résine, plusieurs pratiques qui sont utilisées pour les LOW et la contribution dans ce marathon. Toutes les personnes qui donnent des dons sont potentiellement éligibles pour des LOW. That's incredible, c'est incroyable. Nous pouvons voir leurs pratiques et rendre cette partie-là un peu plus accessible, un peu plus compréhensible. Mais évidemment, avant de passer à la suite des ateliers, le plus important, the most important part, excusez-moi, c'est l'amphithéâtre, là où s'opère la magie, là où va y avoir le stream que vous avez pu observer, là où tous les dons sont retenus, sont lus, sont reversés à l'ICM intégralement, et là où les speedrunners font leur magie, là, that's where the speedrunners operate the magic. C'est incroyable, that's incredible. On va continuer un peu, on voit du Space Gulls, du Espace Goéland, c'est fantastique. Mais on a aussi, en plus des ateliers speedrun, des ateliers ICM, Institute of Cerveau et Moelle Épinière, un moment absolument magique dans lequel ces personnes-là nous montrent leur noble métier depuis la création de leur branche en 2010. Ils nous expliquent comment leur travail permet de prévenir, de comprendre davantage ces différentes maladies que nous ne comprenons pas encore tout à fait par rapport au cerveau. Et c'est grâce à eux que ce marathon est possible. A big thank you to the Brain Institute. Nous avons, voilà, un microscope, c'est un microscope, that's incredible. Et au-delà de ça, nous avons aussi, juste avant de passer à la pièce de Resistance, la partie ICM. Donc, vous voyez, les ICM, le stand ICM vous propose des mini-jeux, des mini-games, afin de comprendre davantage sur le cerveau. Vous pouvez construire
cet avenir, vous pouvez aider à leur recherche tout en vous amusant, all while having fun. Et au passage, l'atelier Résonance, le collectif Resonances, qui vous apporte énormément parce que leurs musiques permettent de rythmer le stream et leurs albums sont disponibles à n'importe quel prix, même gratuitement. Ils vous offrent la possibilité de tester, de vous amuser et finalement de faire de la musique, to make music happen. C'est un grand moment et c'est aussi quelque chose qui permet de rendre cette pratique plus compréhensible et encore plus amusante et vous permettre de faire un lien avec ce fantastique collectif que nous voyons depuis très longtemps. Thank you so much, Resonances. Et enfin, nous arrivons sur la salle Runners. Nous atteignons le point de singularité de l'anglais. Nous pouvons utiliser plein d'anglais comme out of bounds, glitches et destruction of the game. Évidemment, c'est là où, en plus de pouvoir profiter du stream, vous pouvez observer les runners s'entraîner sur leur catégorie favorite et juste avant de se préparer, de se lancer dans le jeu, before going into the game, ils se préparent et c'est là que la magie s'opère pour fignoler les derniers détails et se rendre à fond. Merci infiniment, thank you so much for the Opportunity Institute of Brain. C'est l'ICM, vous avez fait un tour, j'espère que cela vous a été utile et compréhensible et je passe la main en tout cas pour mes autres correspondants. Thank you very much. All right. Alors, c'est bon. Un énorme merci à Nelson Monclex. Ah mais c'est moi qui suis. Non, c'est bon, je suis remis. On m'a remis. Ouais. Okay.